Coucou les amis. Alors je viens de me poster sur Montverdun, un petit village où il y a un château, enfin disent le pic de Montverdun. Donc on va aller visiter tout ça. Je vous fais voir l'emplacement. Hein, sympa, on peut passer une nuit apparemment. Bon, c'est au bord de la route. Je verrai si je reste là. Là, le pépère il est posté là. Ouais, après vous voyez hein, c'est une petite route voilà. Donc au bord d'un étang de pêche et comme vous voyez magnifique soleil super agréable. Donc je ferai le tour de cet étang là. Il fait super beau, je suis super content. Voilà, je ferai le petit tour là. Ça a l'air d'être sympa, il y a un petit pont et tout. Je vois qu'il y a un autre château là-haut. Tac, il y a un autre château là-bas. Je regarde ce que c'est ce château. Voilà. Mais déjà, on va faire celui de Montverdun. J'ai un problème avec le zoom, c'est affreux. Donc, je suis à contre-jour. Donc voilà, le spot. Tranquille. Tranquille le Mimi là. Bon, ben on va faire une bonne balade. Je vais donc j'ai fermé le camion, tout. Je me suis mis ici parce qu'apparemment on ne peut pas monter. Enfin, les gros camions comme ça ne peuvent pas aller à la cime. Donc je vais vous faire une vue là. Donc voilà le pic de Montverdun. Ben, le zoom, j'arrive plus à défaire mon zoom. Ah, j'ai repris les amis. J'ai coupé, recommencé parce que le zoom s'était bloqué, je sais pas ce qu'il y avait. Donc voilà, c'est là-haut que je vais. Donc je me suis garé là parce qu'apparemment on peut pas bien. Les camions ont de la peine à monter là-haut. Non, ben j'ai un souci avec mon zoom, je sais pas ce qui se passe. Bon, allez, je vous reprends. Alors là, ça monte, les amis. C'est ce qu'ils disaient, que c'était assez pentu pour les camions. Et que ils préféraient rester sur les parkings en bas. Ah ben voilà. Voilà ma maison. Ah, je suis curieux. Hein. Ah, mais bon, faut que j'aille partout. Et quelqu'un? Non, c'est bon, je peux rentrer. Une petite cave, comme ça, l'école. La porte d'entrée. Nickel, hein, comme refuge. Hein? S'il n'y avait pas de camion, eh ben voilà. Mignon, ça. Regardez, tout en pierre. Allez, on continue. On vient de monter tout ça. Je m'approche. Allez les amis, je vous reprends. À tout à l'heure. Ça y est les amis, je suis enfin arrivé au sommet. Voilà le pic derrière moi. Et je viens d'arriver devant. Il y a pas mal de randos, regardez. Alors on peut passer par les sentiers là, c'est
sentiers comme ça, ben, y a de quoi faire. Hein. Parce qu'on peut aller à Saint-Paul-du-Jard, parcours loisirs. Bon, et ben, on va respecter le sens, hein. Donc c'est long. Donc voilà le pic. Il a été rénové, partie rénovée, ça se voit, au niveau des joints. On va faire le tour. On va voir s'il y a de la vue un peu. Mais il y a de la vue. Après, je vais monter franc à la cime. Ah oui. Parce qu'avec les arbustes, là, du coup, on ne voit pas bien. J'arrive sur un. On voit loin. Oh, ils ont mis des clôtures hein, pour pas tomber. Dommage, dommage avec le grillage, ça rend moins bien. Ça rend moins bien. Je veux monter en haut. Allez, je pense que ce sera plus joli d'en haut. J'ai vu qu'il y avait un petit sentier là. On va prendre le petit sentier. Hop, voilà. Sentier. Hop. Il n'y a pas le grillage qui me gêne. Là, j'ai pris une photo de ce château en face, là. Allez, je continue. On voit mon camion. Hop. Là. Il est là le pépère. Il m'attend. Il fait super beau. Oh, une lucarne dans la fenêtre. Bon, on va s'approcher. Hein. On va voir. À mon avis, ils sont en train de faire une rénovation. Regardez. Parce que il y a un tas de sable, il y a un tas de gravillons sableux. Et puis j'ai vu qu'il y avait. Je reviens en arrière. Qu'il y avait un tas de cailloux, là, je pense qu'ils veulent rebâtir un petit peu, je sais pas. Regardez. Il y a un tas de cailloux, alors est-ce que c'est des cailloux qui sont tombés de là-haut, ou je sais pas. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait une espèce de compost, voilà. Donc il doit y avoir des habitants, et là, il y a une espèce de cave avec des grosses voûtes. Ça va être... Je vais voir si je peux aller voir. On va aller voir ça. On va aller voir ça, les amis. Mais je suis bien content d'être venu aujourd'hui avec ce soleil là. C'est énorme. On voit super bien.
historique, Pierre-et-Montverdin. Un euro l'entrée. Ouais, ça doit être sur rendez-vous, quoi. Donc je peux pas aller voir. Fameuse croix. Il y a un petit peu de vent. Vraiment léger. Donc je peux pas rentrer dedans, il est fermé, c'est dommage, ça a l'air d'être super joli, j'ai vu à travers la serrure, mais à mon avis il y a quelqu'un, il me semble que j'écoute parler dedans, un habitant, je sais pas. Bon, ben, on va continuer le tour, on va faire le tour. Voilà. Bon, bah, j'aurais que ça à vous faire voir, les amis, hein, du pic. On va descendre, j'ai vu qu'il y avait une madone là. Je vais descendre, bah, je vais vous filmer le petit sentier. Un puits. À perte de vue. Là. Et juste derrière là, la montagne qu'on voit, c'est le mont d'Uzeur, et c'est là que je voulais aller voir s'il y avait quelque chose à visiter. C'est bien plus haut que là où je suis. Bon, ben, je vais essayer de m'approcher. Je sais pas s'il y a un passage ou... parce que là en fait je me trouve carrément dans les vignes. C'est à pic, d'où le nom Pic de Montverdin. Voilà, madame sur son caillou, on dirait qu'il est prêt à tomber. Allez les amis, je vais redescendre et puis je ferai le tour de l'étang où je suis là-bas, qui a l'air d'être bien tranquille, bien sympa. Et puis, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, j'ai fait tout le tour, j'ai pris tout ce que j'ai pu prendre. Donc voilà. Donc, je redescends. De toute façon, il va être midi, il me semble, si même passé. Et puis, je vous dis à tout à l'heure et puis bon appétit.
Donc je me baladais vers le stade, comme ça là, je marchais pour aller là-bas, je vais voir si je pouvais me garer peut-être plus confiné, je sais pas. Puis en marchant, regardez ce que je trouve. Voilà, 2 euros. Ça paye le déplacement. Donc voilà, j'arrive au camion. Boire une bonne bidouze bien fraîche. Midi et demi. Et voilà, manger un bout. Et je referai une petite balade autour de l'étang. Et allez, je vous laisse. Voilà ce que j'ai trouvé aussi sur mon retour avec la fameuse pièce de 2 euros. Et ben un peu plus loin, j'ai trouvé ça. C'est tout neuf. C'était vers un, vous savez, les gros compteurs électriques. Donc il y a un électricien qui est venu, qui est intervenu bricoler. Voilà, et puis il a dû choper sa boîte. Donc je les ai récupérés parce qu'ils sont tout neufs. Voilà, c'est caoutchouc étanche. C'était par terre en plus, donc voilà, hein. Je les ai récupérés parce que j'ai dit ça peut me servir, on sait jamais, voilà. C'est des trucs étanches, vous savez, vous percez un trou, après vous coupez au diamètre que vous voulez, et vous passez au fil électrique. Ça peut toujours servir. Donc voilà. Allez, maintenant moi je passe à la petite bidouze, hein. Petite bidouze, allez, on l'a bien mérité. Hop. Super fraîche, passe là-dedans, c'est un vrai, voilà, petit Henken, c'est un vrai frigo dans ce placard. Bon, je vais quitter ça. Hein. Hop, et puis tranquille, je vais me mettre devant la porte. Regardez. Regardez, les amis, c'est pas beau ça? C'est pas beau? Face à la mer? Non, face à l'étang. Là, il me manque juste ma petite canne à pêche et ma carte. Oh, le petit translat, la canne, ce serait royal. Et de l'autre côté, c'est dommage, on ne peut pas y aller en camion. Il y a un joli parking là-bas, mais c'est limité à 2 mètres. Donc voilà. Mais c'est tranquille, hein? Franchement, pour être en bordure de route comme ça, nickel. Allez, je vous laisse, je vais boire ma petite bière tranquille et puis manger un bout. Bisous, bisous. Donc j'ai fait le tour et du coup ça fait pas le tour. Ça s'arrête ici. Et là c'est sûr, j'ai été jusqu'au bout. Donc là c'est la réserve, interdit de pêcher. Voilà. À partir de là on peut pêcher. Mais c'est vraiment très joli, hein. Donc j'ai discuté avec un ancien là, qui pêchait et qui vient de partir. Donc bah, il m'a dit que ouais, là je serais tranquille pour dormir. Et en fait sur le parking de gauche là, j'ai été voir parce qu'apparemment ils avaient mis une barrière de 2 mètres pour voilà, que les camping-cars viennent pas, et la barrière y est plus. Alors, mais bon, je vais pas chercher les noises à venir et puis me faire sortir à point d'heure, donc je vais rester là-bas pour cette nuit. Donc tu m'as dit que je suis tranquille là. Donc c'est impeccable. Je prends un petit pont là, comme vous voyez, super joli, super joli, ouais. Alors bah, je pense qu'il y a aussi ça doit être des toilettes sèches. Ah non, mais c'est super beau. Et avec ce soleil là, qu'est-ce qu'on est bien. Regardez ce petit coin là. Oh là là. Là, si je pouvais venir, je mettrais le camion ici en Bordeaux. Tranquille. La petite canne. Ouais, toilette. C'est ça. Des toilettes. Bon allez, je reprends tout à l'heure.